Ce moment-là est toujours un moment fort. Bonjour. Christelle est passée à l'imprimerie prendre les 10 exemplaires du livre de Sébastien et elle vient lui remettre en main propre. Vous connaissez le titre ? Non, ils savent rien, j'aurais rien dit du tout. Rien. Ouais. Ah, vous êtes émue, hein. Bah ouais, c'est un super bouquin. Déjà, la première phrase, c'est même pas une phrase, c'est juste une date. Ça rappelle que c'était dur, quoi. Et maintenant, ça va bien. Un texte tellement beau que Christelle l'a transmis à un éditeur et que Sébastien parle déjà d'en écrire d'autres. Un grand merci au service d'hémato-oncologie pédiatrique. Merci d'avoir pu me rendre mon séjour chez vous moins difficile. Cœur, Sébastien Grapp. Quelquefois, la remise du livre a même lieu en public. Ce soir-là, le maire a prêté une salle communale pour accueillir les invités de Martin, ce petit garçon atteint d'une maladie neuromusculaire et à qui Christelle vient remettre son livre. Ses parents lui ont même préparé un petit discours. Alors bah déjà, bonsoir à tous. On vous remercie d'être tous présents ce soir autour de Martin pour la remise officielle de son livre. Merci Christelle pour votre travail de biographe auprès des enfants. Ainsi, aujourd'hui est un grand jour pour Martin, mais aussi un grand jour pour nous. Certes, nous profitons de son imagination débordante tous les jours, et ce n'est pas rare qu'on regrette le dictaphone de Christelle pour écouter toutes ces histoires. Merci à l'association Traces de Vie et à ses membres. Ça se fait pas souvent comme ça, les remises de livres. Ça se fait plutôt dans l'intimité de, voilà, parfois d'une chambre d'hôpital, des fois dans la salle de séjour de la famille. Je trouve très joli que les parents aient souhaité faire une fête pour Martin. Je te le donne. C'est le tien. Et ça s'appelle donc 9 histoires de Martin, ma vie et autres. Point de suspension. Merci vraiment à tous d'être venus. Donc pour moi, c'est un plaisir d'écrire un livre. Et puis donc je tiens à remercier Christelle qui m'a aidé à faire ce livre. Puis pour ses copains, ses grands, ses arrière-grands-parents, ses professeurs ou sa pédiatre, Martin a dédicacé son livre. C'était l'occasion aussi de faire la fête, malgré la difficulté aussi qu'on peut rencontrer au quotidien, et de transformer finalement ce qui est aussi une épreuve et ce qui n'est pas facile tous les jours, en quelque chose d'assez léger, et puis de réunir tout le monde autour de Martin. Mais je pense que ce soir, il sera content de lire une de ses histoires à sa sœur et son frère. Peut-être à nous aussi. Oui. On s'assoira dans le canapé. Et puis on l'écoutera. Le livre de Martin se termine sur des notes plutôt positives. Ceux de Maëva, ou Sébastien aussi, parlent de lendemain qui chante, offrant à chaque lecteur l'occasion d'une salutaire introspection. C'est des leçons de vie. Quand on lit un témoignage comme ça, ça permet de relativiser beaucoup de choses dans son quotidien.